Mercer, là, les Moussettes qui poursuivent leur attaque. Mais attention, c'est Mercer qui va reprendre. Attention, on va s'échapper. Dawson Mercer, seul devant McLaren. Mercer, fin. Arrêt de McLaren. On a tenté de loger le disque entre les jambières du gardien. Ça n'a malheureusement pas fonctionné pour l'attaquant des Voltigeurs. Devant le filet vers droit, ça dévie sur un patin. Et Nekla doit s'amener rapidement. La voix. Attention, on va lui ravir le disque. Tire du revers à court. Raphaël Lavoie, but marqué en désavantage numérique. Il a soulevé le bâton de Timon Nekla. Est venu tromper la vigilance d'Anthony Maroney entre les jambières et les Moussettes prennent les devants 2 à 0. Engagement là, des Moussettes jusqu'au centre. Oh, Hager qui entre du côté gauche, frappé solidement par Justin Barron et Dafonseca là, qui a rendu visite à Justin Barron. Entre chez les Voltigeurs. Gros tente de se frayer un chemin entre les défenseurs là, alors que Charles Lebois a tombé. Attention, Lavoie intercepte un tir. Arrêt de Maroney et Benoît Olivier Gros sur le retour. Fait 3 à 0. Superbe arrêt d'Anthony Maroney avec la jambière gauche, mais il ne peut tout faire. Là. Benoît Olivier Gros a été laissé fin seul devant le filet. Et là-dessus, c'est l'erreur de Thomas Pelletier hein, qui a remis directement sur le bâton de Lavoie. Elle est récupérée par Wynott le long de la rampe. Passe vers Lavoie. Lavoie qui protège, là, remonte vers le point d'appui. Lavoie toujours vers Flower. Flower, un tir bloqué. Et la rondelle qui dévie sur Maxime Trépanier qui marque là-dessus. C'est 4 à 0. Et la rondelle semble avoir dévié sur la jambière de Maxime Trépanier. Un quatrième but marqué avec 9 minutes 20 à faire au troisième 20. Donc là, personne pour faire dévier et c'est la relance de l'autre côté. Dumont avec la pointe également. Dion qui se joint à l'attaque. Dumont vers Dion qui s'amène seul devant. McLaren tire contre. Jacob Dion qui marque son premier filet en carrière dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec dans une course perdante. C'est 4 à 1. Et je le dis, derrière le filet maintenant, cherche une option. Peters qui a envoie au point d'appui, c'est Horvat qui a feinte le tir. On va remettre vers Dubé, ça a bien passé. Tiens, compte! Oh, et Peters qui a fait des vies entre les jambières de Maroney. Une superbe passe de Samuel Dubé pour Peters qui va marquer son troisième de la saison. Nous, on va s'arrêter 5 à 1 maintenant. Les Moussettes, en avant.